Alors Moana, parle-nous un peu de cette sélection au JO. Est-ce que tu es content de toi? Ouais, bah, très content. Bah, c'était un objectif cette année, et même pas que cette année. Enfin, ça fait plusieurs années que je cours derrière ça. Donc bah, là, fin de, à t'atteindre cet objectif-là, bah, c'est vraiment une bonne chose. Surtout que j'avais fait un début de saison bah, pas terrible. Donc là, le fait d'avoir fait 3e au championnat du monde a validé ma place. Donc ouais, hyper, hyper satisfait. Soulagé aussi un petit peu, et ben maintenant, première étape de valider, il va falloir tout faire pour valider la seconde. La seconde, c'est quoi? Bah, ce serait de rentrer une finale et plus particulièrement aller chercher une médaille au jeu, sachant que ce sera une course qui sera très ouverte. Parce qu'au final, sur un championnat du monde, on se retrouve avec une quinzaine d'Américains, donc là, il n'y aura que les trois meilleurs par exemple, mais ouais, ce sera beaucoup plus ouvert qu'une Coupe du Monde ou qu'un championnat du monde. Donc après, ouais, je pense qu'aller décrocher une médaille, c'est faisable. Donc, je vais tout faire court. Et qu'est-ce que tu penses de la piste là-bas? On est allé rouler un petit peu là fin mai. Ils ont fait quelques modifications par rapport à la Coupe du Monde du mois d'août. C'est pas mal, ils ont rajouté un revêtement qui est plutôt bien, voilà, enfin qui va résister hein, en cas de pluie. Par contre, ils ont rétréci un petit peu la première ligne droite. Ça, c'est un peu dommage parce qu'elle était vraiment bien l'an passé. Et la seconde ligne, pareil. La première double est vraiment courte maintenant, mais bon, enfin, ça reste une piste très 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 bien et exceptionnelle.